Et si vous déménagez, eh bien pourquoi ne pas construire votre maison en bois? C'est un peu plus cher, mais beaucoup plus rapide et plus écologique. Désormais, une maison neuve sur 10 est construite en bois en France. Parmi les causes de ce succès, la rapidité de construction. En 48 heures sur ce chantier en Haute-Savoie, cette maison sera terminée. Voir un peu, aidez, un peu. En épicéa, du plancher jusqu'à la charpente. Une maison avec étage de 110 mètres carrés achetée 200 000 euros, dont le montage ressemble à un jeu de construction. Une heure et demie plus tard, les murs du rez-de-chaussée sont en place. La clé sur la porte d'entrée. Un temps de montage express. Sur le chantier global, ce procédé-là nous permet de gagner entre 3 et 6 mois par rapport à une construction traditionnelle. Donc à l'échelle d'une construction, c'est énorme. Armelle a fait construire sa maison en bois il y a 2 ans et elle ne regrette pas. Grâce à une isolation plus performante, sa facture d'électricité a considérablement baissé. Un argument financier mais aussi écologique qui touche de plus en plus de Français. Traditionnellement, la maison en bois, c'est artisanal. Notre originalité, c'est qu'on fait une maison en industrie, donc avec des volumes, avec des process qui nous permettent d'optimiser les coûts. Et c'est dans cette usine que le leader français fabrique les murs en série, au rythme d'un mur toutes les 9 minutes. Une maison sort toutes les 90 minutes. Une chaîne inspirée du secteur automobile. On voulait que ça aille vite pour bien s'installer, commencer la rentrée sereinement. Et c'est plus cher que le traditionnel, mais on se retrouve en termes de délai et en termes de confort de vie aussi. Le marché des maisons en bois est estimé à 2 milliards d'euros en France et devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années, favorisé par les nouvelles normes écologiques dans la construction.